Chapitre 4. Plan diabolique par l'armée du ruban rouge. Faut toujours qu'on mette les vieux trucs. Comme j'ai dit, ils essaient de mélanger le vieux Dragon Ball avec le Dragon Ball Z et ça marche jamais. Dragon Ball Super est l'exemple même. C'est assez simple comme jeu, hein, tu sais, mais le plus dur c'est en fait pour les ultimes. Ça me fait un peu chier quand même. Puis c'est un peu lent aussi. Pas du tout, j'appuie sur tous les boutons, c'est tout ce que je fais depuis le début. On parle de C18, mec. Elle peut se prendre n'importe quel adversaire toute seule, elle gère. Regarde le tournoi du pouvoir des univers, là. Elle a bien géré, quand même. Oui, il y a ça aussi. Qui sait que ça peut bien être? Quoi déjà? ]確かに。目のセルに比べると小さい木だけど似てんな。剣のようセルの気は感じんのに戦ってる相手の気を感じねえぞ。相手の気を感じない。ひょっとしてセルと戦ってるのは16号じゃないか? Ou alors il peut affronter C17 ou C18 en prenant cette logique. Puisque les cyborgs n'ont plus d'énergie, en fait, ils réussissent à avoir de l'énergie grâce à une espèce de machine à l'intérieur d'eux. Enfin bref, le truc des cyborgs slash être artificiel slash android. Très luxuriant, hein. Endroit très sympa. Yappari Zelda. Sore to taorete iru no wa. Alors déjà deux choses. Primo, Charlie qui joue à Doki Doki Literature Club, il aurait pas dû. C'est un jeu de merde. Oui, je le dis, un jeu de merde. Un jeu où le développeur du jeu s'amuse avec le joueur comme ils le font dans Doki Doki Literature Club. Un jeu qui est en plus, et il devrait avoir un PEGI moins 18 hein, pour certains de ces trucs, au lieu juste de dire « ouais, c'est pas fait pour les âmes sensibles, tout ça, etc. » Mais un PEGI 18, mec. Parce que certains de ces trucs, oui, sont assez voilà, discutables. Bon. Oh là là. Surtout merde, quoi. Le mec, il voulait juste créer un jeu light novel pour dire qu'il aime faire des light novels. Voilà. Et pour cela, il a décidé de faire un truc ultra creepy. Super, génial, ok. Et la deuxième chose, c'est je vois qui c'est qui est tombé par terre. Donc lui, là, la sauterelle géante, je vais me le faire. Pourquoi ils font des chargements entre les cinématiques? Je comprends pas l'idée en fait. Parce qu'on est déjà sur le même map, tout ça, etc. Je vois pas pourquoi. Enfin bref. Kusamoto-san-gohan の息の根を止めるため地獄から戻ってきてやったぞ。クリン、セルナイター、オラが好きから。おめは18号のとこへ行ってやれ。すまない、僕。18号さん。ダメだ。
完全に意識を失ってる。あなたはこの人の知り合いですか？すみません、彼女は私を守るために。ちくしょう、シェル絶対に許さない。ふっ、しらしい芝居をする女め。まあいいだろう、全員まとめて倒せばいいだけの話だ。むしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。Techniquement parlant, c'est pas lui que t'affrontes, c'est moi. Mais bon, on va faire comme. すみません、誰だかわかりませんが、18号さんのことをお願いします。俺はセルを倒してくるんで。Non, Krillin. Ok, que tu veux protéger ta femme, tout ça, etc. Je comprends parfaitement ce sentiment, mais face à celle, laisse un Super Saiyan s'en occuper. Bon, s'il veut insister, je vais jouer alors avec Krillin contre celle. Et en plus, il a une bonne argumentation. Alors, en même temps, l'amour rend aveugle, comme on dit. Donc Krillin veut y aller. Eh ben vas-y. いいぞ、バッチリだ。次、行ってみっか。十分慣れてきたみてえだな。いい感じだ。どうだ。あら、デガージ。Bah quelque part tant mieux, parce que sinon le pauvre petit Krillin allait se faire massacrer, donc Si tu le dis. Bah comme d'hab. Qui au candiné. Ça va se nommer un truc à soudre là. Du Hachigo-san, t'as jamais de ça. Dabu, qui au chinat tel d'Akeda Tomoimas. Oisha Sama ni mite mora naito, Kuashiko to Akarana de Skedo. So, de ça. Ah non. Du Hachigo-san au cabat de crete. Arigato gozaimashita. C'est plutôt moi qui m'en suis occupé, mais bon, je crois que je n'ai même pas le droit de donner mon avis. Ie, kochira koso, tasukarimashita. O futari tomo, totemo tsuyoi desu ne. Un Valmar serait beaucoup plus puissant que Goku, donc va pas trop loin, d'accord? Masaka, hadou no eikyou ka de asoko made chikara ga hakki dekiru to wa. Ah non, justement, ils y résistent pas, c'est grâce à moi, hein. Un Valmar est plus puissant qu'un Goku, un Krillin ou n'importe qui, hein. Même plus puissant que Vegeta, Cell ou je ne sais qui d'autre, hein. Hein, sache-le, ma grande, sache-le. Un Valmar peut vaincre n'importe quelle onde, n'importe quoi. Il se laisse pas avoir comme ça. Demande à Glitch. Glitch, c'est un des Valmars, enfin un Valmar parmi tant d'autres, mais c'est un Valmar qui est connu pour sa résistance à tout et n'importe quoi. D'où son nom, d'ailleurs. もしよかったら18号さんに何があったのか教えてもらえませんか。彼女には
絶対にカメハウスから出るなって言っておいたのに。Et qu'est-ce qu'elle fout dans sa tenue d'autrefois là ? Elle est pas censée être dans une tenue qui est plus d'actualité de Dragon Ball Super ? Non, j'ai pas, je dis comme ça. Le ruban rouge, un truc qui aurait dû normalement être dissous depuis le temps. Non, parce que je rappelle, dans Dragon Ball, le général rouge, donc le chef de l'armée du ruban rouge, a été dégommé par Goku, si je m'en souviens bien. Donc, techniquement parlant, normalement, l'armée du ruban rouge, elle est dissoute. C'est d'ailleurs pour ça que Gero a créé les cyborgs à la base, hein. Il les a créés, parce que justement, il voulait prendre sa revanche sur Goku, qui avait détruit l'armée du ruban rouge à lui tout seul. Donc, voilà les mecs, je veux dire, souvenez-vous de la base de sur quoi vous travaillez, quoi, merde. Profitez bien d'ailleurs du visage de la chercheuse de l'armée du ruban rouge, parce qu'elle est vraiment d'une beauté incroyable. D'ailleurs, c'est moi où en fait les cyborgs féminins sont plus sexy que n'importe quel autre personnage de Dragon Ball. Non, parce qu'à ce moment-là, tu sais très bien ce qu'il faut faire si tu veux trouver une bonne copine, hein. Tu cherches une cyborg et puis voilà quoi. Hein, c'est de la séduire, tout ça, et puis bonne chance à toi, mais voilà quoi. Tu sais que si tu veux trouver une fille qui est plutôt très très belle, bah cherche chez les cyborgs. Comme par hasard. Ouais, on dirait que c'est mon cas là. Héros, ça m'intéresse. Oui, alors, sachez que moi, j'y suis, là, hein, la liaison, tout ça, etc. Je suis la victime de votre expérience. La domination cosmique. La domination mondiale, je veux bien, mais cosmique, à ce point-là, il voit grand, quand même, à l'armée du ruban rouge, ou du moins ce qu'il en reste. Et entre-temps, elle a décidé de ressortir ses vieux fringues justement de l'armée du ruban rouge ? Non, je demande. Très bien, d'accord. Alors que j'étais censé les avoir dissous il y a plusieurs années de cela. La logique de Dragon Ball est vraiment de plus en plus nulle avec le temps. Non, sérieux. Lâchez Akira Toriyama, s'il vous plaît. Le pauvre, regardez. Il sait même plus ce qu'il fait avec le scénario de base du manga d'origine. Donc, voilà, quoi, merde. Quand le manga d'origine n'arrive plus à suivre l'actualité, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il faut arrêter. Ou alors chercher autre chose. Et demander à quelqu'un d'autre de prendre la suite. Et laisser Akira Toriyama faire autre chose. Je suis sûr même que le mec doit être dégoûté de faire d'autres trucs. Il gagne tellement de fric avec Dragon Ball et on doit lui demander à chaque fois que du Dragon Ball que... Voilà quoi, le pauvre, je sais pas s'il a fait d'autres projets après Dragon Ball, mais... Mais voilà quoi, merde, à part Blue Dragon, je connais rien d'autre du gars, hein. Donc c'est un peu triste. C'est même très triste. Très très triste. Il reste encore combien de trucs qu'Akira Toriyama a fait qui n'a pas un rapport avec l'univers Dragon Ball. Alors je sais que son truc à lui, son kiff, c'est de mettre toutes ses histoires dans le même univers. Hein, c'est le principe du gars. Mais on pourrait avoir d'autres visions de cet univers. Dans d'autres mondes, ou je sais pas moi, qu'il crée des nouvelles histoires, ou alors qu'il crée un nouvel univers, carrément. Ce sera beaucoup plus simple que de devoir à chaque fois essayer de recréer le scénario à chaque fois qu'il crée un truc, et qu'à chaque fois ça part en couille comme ça. Non, je suis désolé, mais il faut dire la vérité. Bon, Goku, ne cherche pas, ne réfléchis pas. Tu... Écoute, on va faire une chose, tu ne parles plus, tu ne fais plus rien, c'est moi qui prends tout en main, d'accord ? Moi, je suis l'affaire, toi, t'as l'air d'être complètement ailleurs à chaque fois. Retourne à l'intérieur, là, je m'occupe de tout, voilà. Si tu le dis. C'est le moment pour les blagues ? T'es sérieux ? Même moi, j'aurais même pas osé la faire. Parce que là, quand même, là, le monde est en danger, il y a des clones de partout, il y a celle qui est en liberté avec Freezer en plus. Voilà quoi.
Donc à ce moment-là, je crois que les blagues, on les range et on se concentre sur la mission, non ? Oui, c'est vrai. Indiquez-nous la direction de la base qu'on aille les féliciter pour leur création. Bon, on risque de péter quelques trucs, mais bon, hein, vous savez, quand on ne peut pas retenir sa joie, hein. Oui, on en profitera sur le chemin pour prendre des fleurs. Ah, zut. Ça, c'est bien dommage. ブルマさんって人のところに一緒に行きませんか。俺たち今からそのブルマさんの元に18号さんを連れて行こうと思ってるんです。あそこなら、ここより安全なはずだしな。いえ、家族のことより一刻も早くレッドリボン軍の基地を見つけてください。はい、わかりました。 天津飯、俺たちがこの戦いに勝てる見込みはどのくらいだと思う？この戦いに？ああ、もちろん今の目の前の敵にって話じゃなくて、全てが終わるまでの戦いに勝てるかって話だぜ。敵も俺たちと同じように波動とやらの影響を受けているんだ。なら力は互角のはず。単純に考えれば 勝つ見込みは五分五分だろ。そうだよな。今回は波動の影響があるんだ。だったらなおさら今回は悟空たちに全てを任せるわけにはいかないよな。その通り。俺たちの力みんなに見せつけてやろう。行くぞ。ああ。 Non mais je sais jouer, pas la peine. Je m'en fous assez de votre... Laisse-moi faire ce que je veux, sérieux. Dégage de ma vue. クローンというのは不思議なものだ。顔や形だけでなく力まで同じとは。だがこれ以上の修行相手はいない。自分と同じ戦い方をするのであれば俺の弱点も知ることができる。お前を倒した時俺は今の自分を超えたということになるのだからな。俺が武道家として一段上に行くためにお前には踏み台になってもらうぞ。さあどこからでもかかってこい。 来たな。
Et voilà, l'immeuble s'est fait casser 3 fois la gueule. C'est bien, on est une bonne équipe de démolition. Sûrement. Ok. Vous ne verrez pas Yamcha dégommer la gueule de Trunks très souvent. Zut. Pour une fois que je pouvais vous sortir une attaque météore, c'est raté. Enfin, vous avez vu Goku en Saiyan 3, donc pour moi c'est suffisant. Allez, combat de légende, Vegeta contre Goku. Et dire qu'ils veulent nous mettre les musiques du vieil animé. Écoutez-moi ces musiques, quoi! Dégage. Je fais exploser les volcans. Moi, ce que j'ai surtout calculé là depuis le début, c'est que la traduction FR, elle a beaucoup merdé. C'est normal, le studio qui s'est occupé de ton animation n'a pas été assez bien payé. D'ailleurs, tous les personnages animés, durant les cinématiques, n'ont pas reçu le paiement assez suffisant pour que tu puisses bouger. Tu veux expliquer à Bou? Ma pauvre vieille. Allez, dans 5 ans, hein, le temps que t'arrives à lui faire comprendre. D'accord.
変な波動原因あんた弱くなる悪いやつやっつけるオッケーああもうこれ以上どう説明しろって言うのよまあブルマさん落ち着いてつまりオラたちの中に入ってるやつが一緒に悪いやつと戦ってくれるっちゅうことだ悟空の中に入ってるやつそいつ、いいやつなのかそう、いいやつ、いいやつすっげーいいやつだそうなのかサタンもいいやつ俺、いいやつ好きだ Je vous le dis à tous les coups, l'âme humaine en fait c'est Mister Satan depuis le début non, merci, ça ira, je ne suis pas cannibale. Combat très dangereux parce que il est beaucoup plus fort que moi, level 13, et moi je suis un pauvre level 4. Super court retourné.